problématique. Il est problématique ce mot. Pas mal d'élèves ne voient pas très bien ce qu'il veut dire et quelque part ils ont raison. Pourquoi parler de problématique de la dissertation quand on peut parler de problème ? Eh bien, et il y a une petite nuance. Sur le plan du langage, le nom féminin problématique est évidemment un dérivé du nom masculin problème. Et sur le plan des idées, il y a une petite différence. Le mot problématique ajoute une précision par rapport au mot problème, la multidimensionnalité. Autrement dit, parler de problématique plutôt que de problème, c'est présupposer que le problème intellectuel de la dissertation est complexe au point qu'il faille l'envisager sous divers angles. Le sens précis du mot problématique repose donc sur l'opposition entre les problèmes simples d'une part et les problèmes complexes d'autre part. Par exemple, savoir si un billet d'avion est cher est un problème simple. Il suffit de comparer les prix pendant 5 minutes sur Internet pour se faire une idée. En revanche, savoir si le loisir rend l'homme heureux est un problème complexe, au sens où il est impossible de donner rapidement une réponse tranchée. La plupart des problèmes de philosophie, d'histoire, d'économie, etc. sont des problèmes complexes. Trouver la problématique d'une dissertation, c'est donc trouver le problème intellectuel complexe qu'il faut résoudre, ce qui est une étape cruciale de la méthode de dissertation. D'ailleurs, si vous souhaitez connaître ma méthode de dissertation, j'ai un cours gratuit de méthodologie qui vous explique tout de A à Z avec des schémas et des exemples. Vous pouvez vous aussi recevoir mon cours gratuit de méthodologie de la dissertation, soit en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite, soit en utilisant celui qui est dans la description de cette vidéo. Inscrivez-vous et vous m'en direz des nouvelles. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver logiquement la problématique d'une dissertation, c'est-à-dire sans avoir besoin d'être inspiré ou de connaître son cours par cœur. Regardez bien jusqu'au bout et vous pourrez appliquer ma technique en 3 étapes dès votre prochaine dissertation. Quand on réfléchit pour résoudre un problème, on part toujours de quelque part, puis on déduit d'autres idées de notre idée de départ. C'est un peu comme en maths, où les exercices nous donnent des hypothèses de départ. Imaginons par exemple que je dois organiser un voyage au Japon. Selon le point de départ de ma réflexion, le problème ne sera pas le même. Si je pars sur un coup de tête la semaine prochaine, le problème c'est comment tout organiser le plus rapidement possible, mais sans se ruiner. Mais si je suis passionné par la culture japonaise et si je veux en faire l'expérience dans le pays même, là mon problème est où aller et quoi voir au Japon pour en tirer la meilleure expérience culturelle. Autre hypothèse encore, si je pars en vacances après une période de travail intense, là mon problème est comment découvrir le Japon en se reposant le plus possible. Je n'ai pas imaginé 50 situations différentes, vous m'avez compris. Le point de départ de la réflexion permet de définir précisément le problème. Que vous souhaitiez organiser un voyage au Japon ou trouver la problématique d'une dissertation, la mécanique est la même. Vous devez identifier l'idée qui permet de cibler très précisément le problème intellectuel que vous avez à résoudre. En dissertation, le point de départ de la réflexion, c'est l'aspect le plus frappant du sujet. C'est une idée simple et évidente qui est dans l'énoncé. Vous lisez l'énoncé et quelque chose vous étonne. Vous vous dites que quelque chose ne colle pas et ça vous turlupine. Votre pensée rencontre un obstacle. Il y a un problème. Et c'est bien normal en dissertation parce que la plupart des énoncés sont justement faits pour éveiller le doute. Les profs les conçoivent dans cette optique. Bien sûr, c'est plus facile avec certains énoncés qu'avec d'autres, et comme pour beaucoup de choses dans la vie, il n'y a pas de recette miracle. Vous devez vous entraîner pour exercer votre jugement. Plus vous traitez de sujets de dissertation, meilleur vous serez pour trouver logiquement la problématique. Maintenant, voyons comment s'y prendre en pratique avec un exemple. Je prends un sujet de philosophie parce que ce sont les plus difficiles à problématiser. Philosopher, est-ce apprendre à mourir ? Quelle est selon vous l'idée frappante dans ce sujet ? Mettez la vidéo en pause et prenez quelques minutes pour réfléchir. C'est bon ? Allez, on fait comme si. Ce qui est frappant quand on lit ce sujet, c'est l'évocation de la mort. Déjà, la mort c'est un peu tabou dans nos sociétés, mais surtout, l'homme ordinaire n'associe pas spontanément la mort et la philosophie. À notre époque, on considère la philosophie comme une discipline littéraire, surtout une matière du bac, et les philosophes sont des intellectuels qui écrivent des livres compliqués dont la mort n'est pas le thème principal. Bref, l'hypothèse proposée par l'énoncé, philosopher égale apprendre à mourir, cette hypothèse doit évidemment nous étonner. Elle semble à première vue aberrante. C'est donc ça le point de départ de notre réflexion.
La mort est peut-être un thème de la réflexion philosophique, mais réduire l'activité de la philosophie à l'apprentissage de la mort, c'est une hypothèse qui paraît radicale. C'est d'ailleurs pour ça que j'utilise le verbe « réduire ». Une autre manière de l'expliquer, c'est de constater qu'on a du mal à répondre oui à la question « philosopher, est-ce apprendre à mourir ?» parce que ça disqualifierait beaucoup de questionnements philosophiques. Par exemple, la métaphysique, qu'on peut définir comme l'étude d'un ordre de réalité supérieure, eh bien la métaphysique, c'est une partie importante de la philosophie qui ne se réduit pas à la préparation à la mort. L'hypothèse proposée par l'énoncé semble donc très réductrice. C'est de cette première idée qu'on va déduire le problème intellectuel à résoudre dans la dissertation. Normalement, cette deuxième étape, entre guillemets, n'est vraiment pas difficile. Si je veux partir au Japon dans 3 jours, eh bien j'en ai dit que je dois préférer les solutions les plus rapides pour organiser mon voyage. D'ailleurs, je suis prêt à payer un peu plus cher pour ça. En dissertation, le point de départ de la réflexion engendre souvent le même type de problème. Par exemple, est-ce qu'un préjugé est pertinent? Est-ce qu'une contradiction est bien réelle? Est-ce qu'une exagération apparente peut être justifiée? Est-ce qu'un présupposé est pertinent? Et il y en a encore d'autres. Vous les découvrirez en vous entraînant à traiter des sujets. Reprenons maintenant mon exemple. Philosopher, est-ce apprendre à mourir? Mon point de départ, c'est que l'hypothèse proposée par ce sujet semble radicale. Comme ça, on se dit que la philosophie, ce n'est pas uniquement apprendre à mourir. Du coup, quel est le problème intellectuel qui en découle? Mettez la vidéo en pause pour réfléchir quelques instants. Bon, ce n'est pas très difficile. Là, le problème, c'est de vérifier si l'hypothèse est vraiment aberrante. Est-ce que ça n'a aucun sens de réduire la philosophie à l'apprentissage de la mort? Ou bien est-ce qu'il faut creuser l'hypothèse? Bien sûr, on fait un peu semblant dans la problématisation parce que le but de la dissertation, c'est justement de creuser l'hypothèse qui paraît aberrante de prime abord. Donc à ce stade, j'ai trouvé le problème intellectuel à résoudre dans la dissertation, c'est-à-dire que j'ai l'idée de la problématique. Il me reste encore à la formuler. J'ai donné beaucoup de cours de méthodologie de la dissertation, des milliers d'heures depuis une dizaine d'années, et du coup c'est par l'expérience, en faisant des retours à des élèves, en corrigeant des copies, que j'ai découvert la plupart des principes de ma méthode. Concernant la formulation de la problématique, c'est toujours le même souvenir précis qui me revient à l'esprit. Un de mes élèves m'avait transmis la correction donnée par son prof, un plan détaillé de philosophie. La problématique, les grandes parties et les arguments étaient des phrases à rallonge, bourrées de vocabulaire philosophique technique. Je me souviens que j'étais gêné parce que j'arrivais pas à comprendre la problématique. Il fallait que je relise la phrase, que j'essaie de comprendre ces différentes parties séparément en les prenant une par une. Bon, au bout d'une minute, j'ai fini par comprendre ce que son prof voulait dire. Et alors, j'ai dit à mon élève, « C'est bien que votre prof vous donne une correction, mais t'as compris ?» Et il m'a répondu, « Non, pas vraiment. » Alors, c'est sûr que quand on lit une problématique comme ça, très longue, bourrée de vocabulaire philosophique, ça dégage beaucoup d'autorité intellectuelle, encore plus quand on sait que c'est l'œuvre d'un prof agrégé. Mais que va-t-il se passer si c'est la phrase d'un élève et qu'elle est lue à 200 à l'heure par un correcteur qui veut se faire une idée de la qualité de la dissertation le plus vite possible? Eh bien, ça va lui prendre la tête et il va probablement saquer la copie. Or ça, il ne faut pas que ça arrive. Que faut-il faire du coup pour bien formuler la problématique de la dissertation? Il faut miser sur la clarté. C'est déjà important parce que ça va faciliter la lecture et la compréhension du correcteur. Mais c'est aussi important pour vous, parce qu'il est plus facile de construire le plan détaillé avec une problématique claire. Eh oui, parce que la problématique, c'est le problème intellectuel de la dissertation. Et le plan détaillé, ce sont les éléments de réponse. Si le problème est clair, les solutions le seront probablement aussi. Alors, comment faire pour rédiger une problématique claire? Pour faire simple, je vous conseille de suivre deux règles. Tout d'abord, privilégiez les phrases courtes, parce que plus une phrase est longue, plus elle risque de perdre le lecteur. Essayez plus précisément de vous limiter à un seul verbe conjugué. Seconde règle, bannissez le jargon, c'est-à-dire les termes techniques que vous n'êtes pas certain de maîtriser, notamment en philosophie et en économie, et bannissez plus généralement tous les termes que vous n'êtes pas capable d'utiliser dans une conversation. Le principe derrière ces deux règles, c'est que vous ne devez pas compliquer la problématique pour impressionner le correcteur. Vous n'arriverez pas à l'impressionner de toute manière, votre copie n'en a rien à faire. Il reste encore deux choses à savoir pour bien formuler la problématique de la dissertation. La première, c'est qu'elle doit être une question fermée, c'est-à-dire qu'elle impose un choix parmi des réponses préétablies. Par exemple, quel est le rapport de la philosophie à la mort est une question ouverte, parce qu'elle ne cadre pas les réponses possibles. Cette question favorise ce que les profs appellent l'effet catalogue, c'est-à-dire l'empilement d'éléments de réponse sans articulation logique. Avec une question fermée, on ne peut répondre que oui, non ou bien une nuance entre les deux.
et les réponses alternatives possibles poussent à articuler logiquement les éléments de réponse dans le plan détaillé. La dernière chose à savoir pour formuler la problématique, c'est une convention que vous connaissez peut-être déjà, la problématique doit être différente de l'énoncé. Du coup, si le problème intellectuel est transparent dans l'énoncé, eh bien il faut le reformuler. Ça ne sert pas forcément à grand-chose, mais c'est comme ça. Maintenant que je vous ai expliqué les principes pour formuler la problématique de la dissertation, voyons ce que ça donne avec mon exemple, le sujet « Philosopher est s'apprendre à mourir ». Je vous rappelle que le point de départ de ma réflexion, c'est que l'hypothèse « philosopher égale apprendre à mourir » semble a priori aberrante, et je vous rappelle que le problème qui en découle, c'est de savoir si cette première impression est pertinente. Est-ce que ça n'a aucun sens de réduire la philosophie à l'apprentissage de la mort, ou bien est-ce qu'il faut creuser l'hypothèse? Voici comment j'ai formulé la problématique de ce sujet de dissertation. La philosophie peut-elle se réduire à la préparation à la mort? Alors, vérifions qu'elle a bien les qualités requises. Elle est bien courte et claire, il n'y a aucun terme technique, c'est bien une question fermée. Et enfin, elle est différente de la question de l'énoncé. Sur le fond, on retrouve grosso modo l'hypothèse proposée par le sujet, mais avec la nuance du point de départ de ma réflexion, on comprend bien en lisant ma problématique, grâce au verbe réduire, on comprend bien que l'hypothèse me paraît de prime abord aberrante. Voilà, j'ai trouvé et formulé la problématique de mon sujet. Je vous propose maintenant d'essayer à votre tour dans les commentaires, choisissez un sujet de dissertation et appliquez précisément ma méthode avec ces trois étapes pour trouver logiquement la problématique. Je vous dirai ce que j'en pense. Pour réussir les autres étapes de la dissertation, et pas seulement la problématisation, je vous invite à vous inscrire pour recevoir gratuitement mon cours de méthodologie, soit en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite, soit sur celui qui est dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions sur la problématique de la dissertation, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai sans faute. Je suis Romain, je suis toujours avec mon fidèle Aristote, et vous étiez sur 1000 idées de culture générale. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête pour trouver logiquement la problématique de la dissertation.